Bonjour à tous, ici Nicolas Echelier pour devenirgestion.com. Aujourd'hui, je continue donc le mix de Christina Vane à travers donc cette série de vidéos que j'ai préparées pour vous. Donc dans la vidéo précédente, je venais de terminer un petit peu la grosse préparation donc du mixage de ma batterie, donc à savoir la gestion des polarités, etc. Donc là, je vais un petit peu travailler, on va dire, l'ensemble des fondations rythmiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer, entre guillemets, dans mon écoute, peut-être guitare, basse et batterie, juste pour voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue global. Donc je vais garder ma voix lead comme ça. Donc je vais tout insérer comme ça. Oups. Voilà, juste comme ça, voir ce que ça donne. Ok, donc ce que je vais faire, donc là j'écoute en même temps, j'essaie de voir un petit peu, d'imaginer comment je vais faire sonner un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire, donc ça c'est une petite astuce que moi j'utilise, enfin une astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est le principe, si vous voulez, de répartir des éléments sur plusieurs groupes pour avoir un petit peu de la marge en termes de volume. Donc c'est ce que je vais faire ici sur la batterie, tout simplement juste pour la rendre, on va dire, plus forte dans un premier temps. Donc je vais passer toutes mes pistes sur un seul et même bus stéréo. Donc là je vais prendre le bus 1-2. Et donc je vais utiliser deux bus. Donc peut-être qu'à terme je ferai peut-être une légère compression parallèle, je vais voir. Drums, et je vais appeler ça Drums 2 par exemple, voilà, peu importe pour l'instant. Je vais juste mettre ma petite couleur pour être sûr que tout va bien. Voilà. Donc l'idée en fait en faisant ça, donc je vais remettre mes guitares, c'est tout simplement utiliser deux bus, donc là, normal. Et le principe donc d'utiliser, si vous voulez, un deuxième groupe, c'est tout simplement faire, on va dire, une espèce de mise en phase entre tous les signaux, si je puis dire, et donc ils vont forcément s'additionner et donc paraître plus forts. Donc là, c'est un petit peu l'idée. Et ce que je vais faire, pour donner un petit peu de cohésion et amener une espèce de, comment dirais-je, de cohésion sur ce son de batterie finalement, je vais juste appliquer une toute petite compression, et là, je vais utiliser peut-être un plugin de Waves, donc c'est l'émulateur donc d'un LA2A. Voilà. Donc c'est un compresseur, donc celui-là c'est un opto qui va nous permettre peut-être de bien lier vraiment les sons entre eux. Donc là je vais vraiment y aller tout tranquillement, je vais pas faire une compression trop violente. Voilà, donc là ça me permet d'avoir un petit peu plus de marge de volume. Puis ça amène cette espèce de consistance, entre guillemets, sur l'ensemble de son de batterie, donc c'est plutôt intéressant. On va pousser un petit peu plus peut-être l'esthétique, la texture un petit peu de cette batterie. J'ai envie d'essayer de placer une distorsion en fait. Donc je vais l'insérer ici, je vais travailler en mono. Donc je vais créer une piste auxiliaire que je vais envoyer dans mes deux bus donc, que j'ai créé auparavant. Donc je vais utiliser la distorsion
sans amp de Pro Tools, tout simple. Donc je vais utiliser un bus disponible et je vais tester ça sur la caisse claire. Voilà. Donc là, l'intérêt d'une distorsion, en fait, il est, comment dire, il est un petit peu double, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le fait de saturer un son, si vous voulez, ça va réduire sa dynamique et ça va faire un petit peu office de compression, finalement, comme peut le faire un compresseur, hein, parce qu'un compresseur aussi, lui, il réduit la dynamique. Et bien sûr, la saturation va amener ben, forcément un grain sonore bien particulier. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste d'amener un petit peu une touche supplémentaire, un petit grain supplémentaire donc sur cette batterie, mais sans utiliser d'artifice trop rude, voilà, comme un compresseur sur chaque élément, tout ça. Là, j'ai vraiment d'y aller un petit peu par touche, j'ai vraiment envie d'amener un petit peu du son comme ça. Donc, je vais juste voir ce que ça donne sur cette caisse claire. Donc là, je travaille en solo. Donc, on voit que le drive, tout de suite, ça amène... Vous voyez, on sent bien la différence en termes de dynamique. Voilà, ça amène un petit grain intéressant. Je vais essayer aussi également sur la grosse caisse, voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça amène un petit peu de présence et je vais surtout voir sur l'ensemble du mix. Très important. Et ce qui va être intéressant aussi avec cette distorsion, c'est que je peux tout simplement en amener également sur la basse. Donc ça peut amener une espèce de cohésion aussi, notamment entre grosse caisse, caisse claire et basse. Donc là, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai uniquement le DI. Hein. Je vais voir peut-être sur une partie refrain ici. Ça ramène un petit peu de volume. Ça, c'est pas mal. Et on aurait pu aussi carrément essayer de voir d'en placer un petit peu sur tous les éléments, par exemple sur les tomes. Voire même peut-être sur aussi les overheads, voir un petit peu ce que ça donne. Ça amène une petite texture un peu sympa, je trouve. Donc on va voir après, au fur et à mesure, comment ça sonne dans le mix. Là, je vais juste mettre un petit coup de volume sur le tome basse, ce qui me paraît un petit peu plus faible que le tome aigu, soit bien équilibré. Voilà, c'est pas mal. Je vais mettre encore un petit peu. Et là, je vais essayer tout simplement. Je vais mettre mes deux auxiliaires à zéro, voir un petit peu ce que ça donne. Tranquillement. C'est pas trop mal. Alors sur le tome basse, ça fait un son peut-être un petit peu... je vais voir. Ouais, ça. Quoique. Je vais aller peut-être un petit peu plus en souplesse. Parce que du coup, ça renforce un petit peu le côté grave. Un petit peu sourd, donc c'est peut-être pas l'idéal. We'll be right back.
on est pas mal pour l'instant à ce niveau-là. Ça mène une petite texture, on verra après si on l'adapte différemment ou si on le balance différemment. Ce que j'ai envie de faire quand même, c'est essayer de donner un petit peu plus de largeur, de profondeur sur cette batterie. Donc, bon, il y aurait plusieurs solutions. J'aurais pu peut-être essayer de voir travailler autour d'une réverb. Je vais voir quand même aussi pour amener un petit peu de... Comment dirais-je ? Un petit peu d'impact, notamment sur la grosse caisse. Peut-être essayer de voir un petit peu avec les samples ici, parce que donc on m'a fourni donc des triggers avec. Donc je vais peut-être essayer d'insérer des samples légers juste pour amener un petit peu de stabiliser un petit peu le son du kick. Donc je vais prendre le plug de Steven Slate. Donc voilà, c'est la version 1, parce qu'il me semble qu'il existe une version 2. Donc là, je vais partir d'un preset que j'ai moi et je vais voir un petit peu les sons. Je vais peut-être faire quelque chose de plus simple. Je vais essayer de travailler avec des sons. Ça va être un petit peu trop violent. Voilà, je vais juste garder ce sample-là. Non, je vais en garder qu'un, ça sera plus simple. Je vais voir au niveau de ma phase comment ça se comporte. D'accord. Voilà, donc là ça me permet d'amener un petit peu d'ambiance finalement, de dimension, de profondeur en fait. Vous voyez. Je vais voir dans le contexte global. On est pas mal. Je vais essayer de renforcer un petit peu ce côté un petit peu aéré, un petit peu aéré, un petit peu ouvert comme ça avec un EQ. Je vais essayer de vraiment accentuer la partie aiguë. Voilà, ça amène un petit peu l'air en même temps de la grosse caisse. Et du coup, ça amplifie un petit peu donc... on va dire l'acoustique naturelle de la pièce du sample dans laquelle ça a été enregistré. Donc je compense bien sûr mon gain de sortie. Voilà, ça fait pas de mal. Voilà, je vérifie mes polarités, très important. Très bien. Et je vais faire la même chose donc sur la caisse claire. Donc je vais copier mon trigger, très simple, et je vais donc de la même manière importer donc un sample que j'ai moi, et je vais voir un petit peu, voilà, quelque chose de... L'idée c'est d'avoir... Bon, non, celui-là il n'ira pas à mon avis. On va prendre comme ça, je vais en garder qu'un. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de discret. Donc je vais écouter en solo pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc pareil les phases, ça fonctionne bien. Mais j'ai quand même envie de garder... on va dire l'accent sur la caisse claire, on va dire d'origine, si je puis dire. Donc je vais vraiment essayer de travailler le son autour de cette caisse claire et me servir uniquement du sample, finalement, pour amener justement cette espèce de profondeur. Thank you.
Donc je vais aller chercher du bas. Donc là j'utilise un plug SSL. Donc là on est pas mal, et ce que je vais faire donc pour justement bien lier on va dire caisse claire donc d'origine et la caisse claire naturelle, je vais essayer d'atténuer en fait l'impact, la transitoire en fait du sample. Donc j'ai utilisé un plug qui est un plug gratuit, j'ai déjà fait des tutos dessus pour le présenter, c'est le Bittersweet. Donc il y a aussi le SPL, un Transient Designer, c'est un petit peu le même, il en existe d'autres. Hein. Mais celui-là l'avantage c'est qu'il est gratuit, donc il est de chez Flux. Donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Donc le voilà. Donc là, je vais tout simplement atténuer la transitoire. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'impact là. C'est pas mal. Et pour finir, je vais faire pareil, je vais prendre l'EQ et je vais accentuer la partie aiguë. Placer ça dans la balance. Petit check de phase, des petits doutes sur l'écoute, donc je le garde. Donc on est pas mal, et pour finir la préparation donc de ce son de batterie, je vais m'intéresser un petit peu au tome. Donc je vois qu'ici j'ai une partie donc jouée au tome basse, donc je vais tout simplement appliquer donc un EQ. Donc je vais utiliser pareil l'EQ donc de chez Waves, hein, donc qui est un de mes favoris comme vous le savez. Et je vais essayer de trouver un petit peu quelque chose d'assez rond. Donc là au niveau de l'EQ des tomes, hein, donc j'ai déjà fait des petites vidéos là-dessus pour essayer de trouver un petit peu les points de départ. Donc là je vais travailler. Alors je vais simplement atténuer ma disto pour voir si je suis bien. Donc là je vais atténuer un petit peu du bas médium. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu d'aigu.
chercher un petit peu de peau. Donc là, le petit inconvénient de ce plug, c'est qu'ici, en fait, on a affaire à un filtre en plateau, donc c'est pas l'idéal. Je vais prendre un filtre en cloche. Je vais vraiment essayer de trouver la note qui m'intéresse, en fait. Donc, je vais mettre ici la cloche et je vais essayer d'aller chercher. Voilà, un petit peu dans cette zone-là. Ça va me permettre de réaffiner un petit peu mon gate aussi. Alors ce que je vais faire quelque chose de plus simple, c'est-à-dire que je vais tout simplement enclencher l'automation de mon plug et je vais tout simplement désactiver le gate sur ce passage. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel pour le coup. Voilà, donc là automatiquement l'automation va désactiver mon gate. Et là j'ai quelque chose de un petit peu plus naturel. Ce qui me permet d'être plus précis aussi. Dans mon son, on est pas mal. Donc là, je cherche un petit peu les fréquences qui vraiment me permettent de donner vraiment le caractère à mon son. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pas peur d'y aller. Là, je vais vraiment chercher le son. Il faut pas être timide. Et je vais faire la même chose pour le tome aigu. Je vois qu'ici, par exemple, j'ai un petit passage. Je vais utiliser ça. Je vais faire une petite boucle. Et je vais aller, pareil, chercher le son donc, de mon tome aigu. Donc là, on va pouvoir y aller, je pense, parce que... ça travaille. Vous voyez que dans le bas médium, on arrive tout de suite à éliminer vraiment le côté un petit peu boîte de, comme on dit, un peu comme sur une grosse caisse. Donc là, je vais chercher le son aussi dans l'aigu. Un petit peu dans le contexte. Ici. Voilà, je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant au niveau donc, du son de cette batterie. Donc là, c'est vraiment des choix esthétiques que moi, je fais. Donc bien évidemment, dans un mixage, comme vous le savez, il y a plein de possibilités, plein de façons de faire. Donc je vous invite à faire vos propres expériences, vos propres essais, bien sûr. Là, c'est ni plus ni moins que des petites ficelles que je vous donne, mais on pourrait imaginer plein d'autres manières donc, pour effectuer le traitement de cette batterie et tout ça. Dans la prochaine vidéo, je vais intégrer donc, guitare et basse. Donc je vais continuer sur la fondation rythmique, on va dire, de ce morceau. Donc je vous invite tout de suite à cliquer donc sur la prochaine vidéo pour continuer à suivre le mixage de ce titre. Je vous dis à très vite, merci.